Bon dimanche. Aujourd'hui, c'est Martin Boisvert. Je suis pas le dadaïste lama. C'est quand même un spécial du dadaïste lama parce que c'est l'école du dimanche. Et puis, nous sommes en guerre. Amusons-nous. Amusons-nous à faire de l'argent de poche. Et cet argent de poche, on le fait comment? On le fait en éditant des livres. Des petits livres comme ça, là. C'est des livres que, ça c'est celui que j'ai publié, qui s'appelle À l'ombre de la licorne. Je l'ai publié en 2019. Et puis, c'est un livre comme ça, avec mes poèmes dedans. Et puis, où je veux attirer votre attention, c'est que ce livre-là, je l'ai fait d'abord. Sur un logiciel de traitement de texte qui s'appelle OpenOffice. C'est le même principe que Microsoft Word, mais c'est un logiciel libre et gratuit. Vous allez chercher ça, ça s'appelle OpenOffice. Et puis, ce livre-là, il y a 60 pages. 60 pages, c'est 15 feuilles, 8,5 par 11. Qui sont pliés en deux. Puis, quand j'ai fait le document, parce que avant d'être un livre, c'est un document, je l'ai fait sur OpenOffice. Puis, sur OpenOffice, il y a une fonction qui permet de changer votre document en PDF. Puis, ça, le PDF, une fois que vous l'avez fait, c'est ça que j'avais fait moi, vous le mettez sur une clé. Il faut que ça aille 60 pages. La dernière page, c'est le décollage du dimanche aujourd'hui. Alors, la dernière page, là, vous pouvez mettre ici le numéro d'ISBN. Ça, c'est un numéro qui vous donne à la Bibliothèque nationale du Québec quand vous publiez un livre. Pour que ce soit un vrai livre, il faut que ce soit au moins 50 pages. On va dire 52 parce qu'il faut que ça se divise par 4. Et puis, moi, j'ai fait 60. Fait que c'est 15 feuilles photocopiées recto verso. Vous mettez votre document PDF que vous faites dans OpenOffice sur une clé USB. Vous allez porter la clé USB chez l'imprimeur, puis vous la faites imprimer en cascade, puis vous le faites brocher. Une petite broche, là, deux petites broches dans le milieu. Puis là, c'est sûr que ma copie est un peu maganée parce que. Un peu endommagé, je devrais dire, parce que je l'ai trimballé dans des soirées de poésie. Là, vous me voyez venir. Ça, si vous allez chez un centre de photocopie, puis que vous faites faire vos livres comme ça, ils vont vous arriver dans une caisse. Vous pouvez en avoir 50 copies. Ça, c'est le tirage minimum pour que ça soit un vrai livre, pour que vous puissiez l'enregistrer à la Bibliothèque nationale. Vous pouvez en faire 100 copies aussi, mais on partira avec 50 copies. Ça va vous coûter avec les frais là, de manutention puis les taxes à peu près 200 $. Ça veut dire que ça vous revient à peu près à 4 $ du livre. Puis vous pouvez faire un lancement dans un café puis vous vendez ça 10 $ du livre. Fait que vous faites 6 $ de profit par livre que vous vendez. Puis si vous voulez en faire plus que 100 copies, ben c'est libre à vous, mais les copies qui restent, vous allez les placer dans les bibliothèques. Puis là, vous vous demandez un droit de prêt public, il y a un formulaire là-dessus. Puis à chaque fois que votre livre va être emprunté, ben vous allez avoir un petit montant. Puis ça, c'est payé, je pense, c'est une fois par année. Alors, c'est encore avec le ministère de la Culture que vous pouvez faire ça. Donc, vous pouvez vous faire de l'argent de poche. Si vous vendez vos 50 copies à 10 $ chaque, ça fait 500 $. Ça vous a coûté 200 $ pour les faire. Fait que vous faites 300 $ de bénéfice à chaque fois que vous faites un pressage. Fait que c'était le bricolage du dimanche. C'est Martin Boisvert. Ça me faisait plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite un bon dimanche. Nous sommes en guerre. Amusons-nous. À soi, soi, soi. Bling, 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 bling. Amusons-nous à faire de l'argent. Bon dimanche.